C'est un reportage signé Farel Mouzina et Yves Leschwandi. L'inspection provinciale de la police ville de Kinshasa a mis la main dans la nuit de jeudi 24 octobre 2019 sur Mouyema Mounzenze Raphaël, jeune habitant de la commune de l'Antélé. Ce dernier a été interpellé par la police pour avoir piraté les comptes Facebook et M-Pesa du directeur général de l'Institut supérieur de commerce Mapapa Bangala depuis plus de 2 ans, affirme les coupables. On a arrêté depuis hier la nuit. Je suis en train d'utiliser les comptes Facebook du DG de l'ISC et le numéro M-Pesa portant son nom. La raison réelle d'utiliser les comptes Facebook du DG était d'abord de commencer à communiquer, à publier. Et par après, il y a eu des bévues qui s'est passées et on a commencé à faire du mal. Alors il y a eu les gens qui se sont permis à m'envoyer l'argent et je les ai utilisés. J'utilise les comptes Facebook depuis longtemps, mais l'histoire du DG, en tout cas, ça fait entre 2 ou 3 ans comme ça. Quelques victimes de ces phénomènes présents sur les lieux du jugement d'inviter la police à achever la procédure. Je suis l'un des victimes qui a été escroqué par le soi-disant, mais c'est le DG de l'ISC. Normalement, nous avons notre DG à l'ISC, on lui connaît de face comme ça, de vie. Ce que j'avais fait une demande à lui. Le monsieur a accepté ma demande. On a commencé à parler avec le monsieur dans des messages. J'avais un petit problème au niveau de l'institut et j'ai demandé au messier, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez m'accorder même une mesure de grâce, que puisse passer même au bureau pour que je puisse payer l'enrôlement. Qu'est-ce qu'il me dit? Vous avez mon numéro de téléphone, on se parle déjà. Tout ce temps, je n'ai pas le temps de vous recevoir. S'il y a moyen, envoyez-moi cet argent dans mon numéro M-Pesa. Commencez à composer son numéro pour lui envoyer de l'argent. Comme vous le savez, avant d'envoyer de l'argent, on vous pose la question. Est-ce que voulez-vous envoyer cet argent à M. Tel? Le nom qui s'est figuré, c'était le nom du DG. Augustin Mangala, ma papa. En tant qu'étudiant, je me suis dit, waouh, ça c'est le numéro du DG, parce que c'est son nom qui s'est apparu. Automatiquement, on lui a envoyé. Je ne suis pas le seul. Si aujourd'hui, vous descendez à l'ISC, vous allez voir des histoires. Comment est-ce que les étudiants sont en train de chercher même ces messieurs? Le souhait de tous est que justice soit faite afin de monter tous les anarcheurs qui s'amusent.